C'était une fois, dans une petite ville d'Orient, un brave homme qui s'appelait Ali Baba. Ali Baba, Ali, Ali Baba. Ali, Ali, Ali Baba, de la mosquée à la Casbah. Quand on m'aperçoit, ce n'est qu'un cri. Bonjour Baba, adieu Ali. Toujours content, jamais pressé, je n'ai qu'à me laisser pousser. Et quand par hasard ça ne va pas, je me dis mec tout bas, Inch'Allah. Ba, 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 ba. Ba, ba. Ses joues des pêches, sa bouche une cerise, ça l'avance en piastre. Les fruits sont chers cette année, hein? Et bonjour mon fils. Ah, mon bon ami, plais-moi. Plais un pauvre père dans la misère. Je suis obligé de vendre mon unique trésor. Ma fille bien-aimée, vois comme elle est belle. Ces voiles cachent la beauté la plus parfaite de tout le pays.
ça c'est toi qui le dis. Nous, nous voulons voir. Oui, c'est ça. Mais vous la gênez, cette petite-là. Piastre. Ah non, non. 21. Ah non. 50 piastres. 50 piastres, alors monsieur. 51. Oh. 100 piastres. 100 piastres, qui dit mieux? 101. 101. 150 piastres. 150 piastres, qui dit mieux? À juger. Tiens, prends l'argent et rends-moi la bourse parce qu'elle n'est pas à moi. Ah, et il y a 150 piastres là-dedans? Pas une de plus, pas une de moins. Tu peux compter, hein? Tu es triste? Ça te fait de la peine de quitter ton vieux papa si sympathique? Ma fille est vierge. J'espère bien. La femme t'appartient. Ben moi. Allez, repasse tes affaires. Hein. Viens. Bonsoir pour papa. Alors dis, tu vas le barrer longtemps ce chemin? Hé! Hey, je suis pas à mon compte, moi. Je travaille pour les autres. Dommage pour toi. L'homme libre prend toujours son temps. Peut-être, mais mon maître, lui, il a beau être libre. Eh bien, il est quand même pressé. Hé! Hey, tu entends ce que je te dis, marchand d'oiseau? On s'en va, mon ami, on s'en va. Ah, ça va. Il est drôle, lui, hein? Oh! Il est gentil. Regarde. Combien tu le vends? 20 piastres. 20 piastres? Tiens, tu peux le garder. Allez. J'ai dit allez. Quinze piastres. Au revoir, mon ami. Tu vois? C'est ici que j'habite. Thank you.
que tu me rapportes. Puis je t'avais dit de m'en acheter une bien grasse. Et peut-être pas bien grasse, mais elle est quand même bien belle, hein. Combien tu as payé ça? Oh, 150 piastres. Quoi? Le prix d'un chameau? Regardez, regardez, regardez. Attention, monseigneur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Votre vie est en danger. Donnez-moi votre main. Tâtez un peu votre veine. Et alors? C'est gros. Ça gonfle. Ça va éclater. Restez tranquille. Je reviens de suite. Où vas-tu? Chez le marchand d'herbes, cherchez votre potion. Laissez-moi faire. Mohamed, conduis-la au harem. J'irai tout à l'heure. Musique! Allez.
T'as besoin de mes services? Qui est-ce qui est malade? Toi ou Cassim? Le mulet. Le mulet? Et qu'est-ce qu'il a? Hé, il a la rage. Il faudrait que tu me donnes quelque chose pour le faire dormir. Et quel âge il a? L'âge de Cassim. Alors il y a longtemps qu'il devrait être au paradis des mulets. Allez, dis, dépêche-toi un peu. Il est en train de mordre tout le monde. Et combien de temps tu veux qu'il dorme? Une semaine. Mais au bout d'une semaine, il sera mort, ton mulet. Oh, pas de danger parce qu'il se porte bien. Ah, papa, je veux dire encore. Tu me comprends? Oui, 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 oui. Tiens, je te mets la dose. Tu m'en diras des nouvelles. Avec ça, on endormirait l'éléphant. Oh, j'en demande pas tard. Merci, bravo. Alors, tu mettras ça sur le compte de Cassim. Hein? Au revoir, Ali. Au revoir, Ali. Salut. La petite, la nouvelle. Tu as la potion? Oui. La voilà. Buvez. J'ai l'impression que ça va mieux. Oh, mais ça ira de mieux en mieux. Vous allez voir. Merci, mon ami. La petite est prête? Oui, seigneur. Je sens que je vais accomplir des prouesses. Au fond, tu es un bon serviteur, hein? T'inquiète plus, il dormira comme ça pendant longtemps. Comment tu t'appelles? Morgiane. Morgiane? C'est bien. Tu es triste?
je pourrais te donner pour te distraire. Tu veux un petit chat? Miaou. Tu veux un petit chien? Bon, bon, bon. Oh, le perroquet. Tu veux le perroquet? Je vais te chercher. J'aime bien parler avec toi. D'habitude, la conversation des femmes, c'est plutôt fatigant. La tienne, elle me plaît. Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre, toi? Le maître s'est endormi. Allez. Bonjour, qu'est-ce que tu veux? Arrête un peu, je viens pour acheter ton perroquet. Descends. Que je descende? Tu es fou. Je perdrai ma place dans la caravane. Arrête-toi, je t'en supplie, arrête-toi. Tu as l'argent? Oui. Tiens. Regarde, ça va comme ça? Tu peux prendre la cage, elle est là derrière. Merci. Oui, bonjour.
Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Thank you.
Tu veux rentrer? Si je t'attrape. Coco, où il est, joli Coco? Je suis propre maintenant. Coco? Coco? Coco, il est 8 heures. Coco. 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 Viens. Coco. Là. Coco. Là. Coco. Thank you.
Hey, oh, le diable. Mais non, c'est Ali Baba. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Elle va me chercher mon petit déjeuner. Non. Non, non. Je suis plus à votre service, moi. Je démissionne. Je vous ai assez vu. Quoi? Maintenant, parlons un peu de la petite. Quelle petite? La nouvelle, celle que vous trouvez que j'ai payée trop cher. Je vous la rachète. Tenez. Voici votre argent. 5, 10, 15. 15 pièces d'or de 10 piastres chacune. Et d'où vient cet argent, des... Lâchez-moi, hein. Allez, 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 lâchez-moi. Hein. Je suis riche, moi. Très, très riche. 1000 fois plus riche que vous. Tenez, regardez. Je pourrais acheter cette maison. Et vous avec. Je pourrais vous prendre à mon service. Mais vous êtes un trop mauvais maître pour faire un bon domestique. Vous voyez, si je voulais, je pourrais acheter toute la ville. Mais je connais pas ma fortune. Adieu, Seigneur Kassim. Allez! 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 Au vacu! Je m'en vais. Je vous ai déjà dit, je quitte votre service. Faites-moi venir la jeune esclave que je viens de vous racheter. Certainement. Mais certainement, mon cher ami. À boire, à manger. Envoie-moi les musiciens. Ou allez me chercher la nouvelle. Je veux qu'elle danse pour mon ami Ali Baba. Allez, va, plus vite! Ali Baba, je t'ai toujours considéré comme mon fils. Ah oui, c'est pour ça que vous donniez des coups de bâton. Qui aime bien, châtie bien. C'est ça exactement. Exactement ça. Ali Baba, mon fils, soyons bons amis. Allez, allez, allez. Asseyons-nous. Ça, d'accord. Alors, raconte-moi ce qui t'est arrivé. Pourquoi? Non. Non, mangeons d'abord. C'est ça, mangeons. J'ai une de ces faims, je vais faire une course. Ça m'a creusé. Hein? Oui. La petite. Où est la petite? Mais la voici. Oh. Approche, petite, approche. Tu peux venir, tu es plus à lui, je t'ai racheté. Dites-lui de danser, moi j'ose pas. Enfant, danse petite, danse. Ça me fait plaisir de t'avoir à ma table. Elle est belle. Ça fait une bonne affaire, hein? Si j'avais su, je t'aurais pris un petit bénéfice. Chaque chose pour vous faire plaisir. Non, non, marché conclu. Mais dis-moi, cher Ali, où as-tu trouvé tout cet argent? Voilà. Je l'ai trouvé. Exactement, mais alors là, exactement, dans un endroit que vous trouverez jamais. Un peu de vin? Ah non, je ne bois que de l'eau. Ouais, tu n'as jamais bu de vin? Jamais. Même pas un peu dans ma cave? Non, même pas. Ah, ça, par exemple, là, tu m'étonnes. Non, non, non. Oh, mais de celui-ci, tu vas en voir, parce que c'est... Si, si, si. Non, non. C'est du vin de Chypre. Ah, si c'est du vin de Chypre. Non, je vais... Thank you.
permets que je te tutoie. Tu voudrais bien le savoir. Eh bien, tu le sauras pas. Alors, cette formule magique, tu la retrouves ou tu ne la retrouves pas? Ça y est, ça me revient. C'est un nom de graine. Reste là, tu vas voir. Orge, ouvre-toi. C'est pas ça. Oh, tu te fous de moi, dis. Eh oui, oh. Oui, hein, on va lui proposer autre chose. Avoine, ouvre-toi. Il aime pas l'avoine, non plus. Oh, c'est terrible, ça. Eh oui, c'est terrible. Ah, ça y est. Ça y est, je me souviens. C'est une graine qui donne de l'huile. Olive, ouvre-toi. Non, olive, c'est un fruit. Je te dis, c'est une graine qui donne de l'huile. Tournesol. Tournesol, ouvre-toi. C'est pas ça. Sésame, sésame, ouvre-toi. Et si, hein. Oh. Allez, viens. Allez, viens, je te dis. Regarde, c'est cela. Tout ça est à moi. La moitié. Oui, oui. Oui, parce qu'on dit ça, bien vrai. Oh. Regarde ce beau sabre. Par ici. Par ici, ça coupe. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est un vrai cadeau. Amuse-toi bien. Moi, j'ai autre chose à faire. Amis.
Qu'est-ce que tu fais? Moi? Rien. Donne-moi ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Chut! J'ai entendu du bruit. Sésame, referme-toi. Partons. C'est ça, partons. Et je veux le retrouver à tout prix. Fouiller la maison et les jardins. Allez, c'est par l'eau. Excusez-moi, laissez-moi passer.
J'ai rien trouvé. Imbécile, va. Et voilà, il est parti, hein. Vous l'avez laissé s'échapper, imbécile. Aïe. Venez ici. Viens ici. Aïe. T'es là? Mais dis, ça a l'air de te faire plaisir de rentrer chez ton père. Tu aurais préféré rester chez Cassim? Ah, la bonne heure! Parce que maintenant tu es libre. Libre comme l'oiseau, comme le vent. Il ne te manque plus qu'un amoureux. Je veillerai à ce que tu le choisisses toi-même. Allez, viens. Viens t'asseoir, on va parler un peu de ça. Tu vois, ton amoureux, je le verrai plutôt gai. Oui. Gai et riche. Riche et pas trop beau. Pas trop beau et pas trop jeune. Non, parce que les jeunes, c'est égoïste. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? On me parlait. Tu ramènes ta fille, je te la rends. Vendu, c'est vendu. D'abord, je n'ai pas d'argent à rendre. Je t'en demande pas, moi. Au contraire, c'est moi qui vais t'en donner. Tiens. Encore? Oui, je veux que tu aies le moyen de te conduire comme un vrai père. Oh, oh, ma fille bien-aimée, la joie de ma vieillesse. Allez, je vous laisse. Oh, Ali Baba. Ça t'ennuie de me quitter? De temps en temps, je viendrai te voir. Ça te ferait plaisir? Eh bien, alors, je viendrai tous les mois. Ah, tu trouves que c'est un peu long, peut-être? Alors, je viendrai te voir toutes les semaines, si tu veux. Choisissons un jour, le samedi par exemple. Justement, demain c'est samedi. Oh, pour une coïncidence, alors ça, c'est une coïncidence, hein. Mais alors, à demain. Qu'est-ce que c'est, ce sac? Chut. Dis-moi, toi, si tu étais riche, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je mangerais toute la journée. Je mangerais de tout. Des tomates, du mouton, des gâteaux. Mais ça va, ça va, ça va. Et toi? Moi aussi, je mangerais beaucoup. Et je m'achèterais une belle paire de babouches brodées. Moi aussi, j'aurais des babouches. Trois paires. Oui, ça va, trois paires. Et toi? Oh, moi, je mangerais, j'aurais des babouches. Je coucherai dans une maison. Moi aussi, j'aurai une maison. Moi aussi, pardi. Ah oui, je vous comprends très bien. Et toi? Moi, je mangerai, j'aurai des babouches, une maison et une femme. Ah oui. C'est qu'une femme, ça peut toujours servir. Hein? Moi aussi, j'aurai une femme. Moi aussi. Moi aussi, pardi. Eh bien, écoutez-moi bien. Tout ce que vous venez de souhaiter, le bon Dieu va vous le donner par mon intermédiaire. Vous aurez le nécessaire et le superflu. Des pauvres, il n'y en aura plus, je m'en charge. Muhammad al-Rasulullah.
Mon Dieu, je vous remercie de m'avoir donné cette richesse et de m'avoir donné les moyens de faire le bonheur autour de moi. Et merci pour la belle Morgiane. Je sais qu'à vous, on peut demander beaucoup de choses. Faites qu'elle m'aime un peu et que ce soit pas seulement pour mon argent. Baba, voici la maison. Mmh. Eh ben, elle est bien jolie, hein? N'est-ce pas? Mais pourquoi tu la vends ta maison? Si c'est par besoin d'argent, c'est moi. Je peux donner un coup de main et comme ça, tu la garderas. Seigneur Ali, tu es bon et je te remercie. Mais grâce au ciel, ce n'est pas par besoin d'argent que je me sépare de ma maison. Je la vends parce que je quitte la ville. Pour le salut de mon âme, je vais faire un long pèlerinage. Oh, dans ce cas, je peux visiter? Entre, Ali Baba. Tu es déjà chez toi. Allez, venez, hein. Pas mal, hein? Oui, pas mal. Oui, ça peut aller. Ça peut aller. C'est même bien. Ça coûte combien, ça? 10 000 piastres. Donne-moi 20 000 piastres. Oh, Seigneur Ali, je ne sais que dire, une telle générosité. Mmh. Bagatelle. Voulez-vous monter sur la terrasse? Sur la terrasse? La vue est magnifique, la plus belle de toute la ville. Allons-y. Seigneur Ali Baba, voici la terrasse. Vous avez la vue sur la ville et vous avez la vue sur le jardin. J'espère que vous y vivrez en paix. Les arbres sont vigoureux. Le père de mon père les a plantés de ses propres mains. Ils sont beaux, hein? Ici, vous voyez le marché aux esclaves. Allez, venez! Allez, suivons-le! Soixante-quinze à ma gauche! Soixante-quinze! Soixante-quinze! 80! Encore moi. Toi, je t'épouse. Vive les Baba! Ce soir. Vive
La paix sur toi, seigneur. Tiens, un pauvre que je connais pas. Tu es pas d'ici, je t'ai jamais vu. Je voudrais te dire la bonne aventure. Oh, tu sais, moi, je suis heureux. Je vois pas ce que tu pourrais m'apprendre de plus. Bien sûr. Quand on tient le bonheur, on croit que c'est pour toute la vie. Reste à savoir si tu le garderas. Je m'en un peu qui pourrait m'en empêcher. D'abord, pour le présent, tu as trouvé la femme de tes rêves. Ça, c'est pas bien difficile à deviner. Et puis, tu as de l'argent. Ça se voit, oui. Cette fortune est inépuisable. Oh, tu peux pas t'imaginer à quel point. Je sais d'où tu la tiens. Ah, ça, alors, si tu le savais, tu m'es pas tort. Cet argent, tu l'as obtenu en prononçant seulement trois mots. Commence à m'intéresser. Ah, cette fortune, tu la garderas aussi longtemps que le destin, notre maître à tous, te le permettra. Et après? C'est tout. Merci, mon ami. Merci. Là, tu m'as fait plaisir. Hein? Attends. Viens. Tiens, je suis bien content de te connaître. Pas tant que moi. À ton service. Bien. Je sais aussi chasser les mauvais génies qui sont dans la maison. Ah oui? Ça tombe bien. Je t'invite ce soir, à mon mariage. Merci. Pourrais-je me permettre d'amener aussi quelques amis? Oh, mais avec joie. Tes amis sont les miens. Amène-les tous. Nous serons peut-être nombreux. Ah oui? Combien vous serez? 40. 40? Eh bien, il faut que tu sois un bien brave homme pour avoir tant d'amis, hein? Allez. À ce soir. Viens. Fatima? Merci, Morgiane. Tu n'en prends pas, maîtresse? Non, merci. J'en mangerai tout à l'heure. Combien a-t-il d'argent, ton mari? Ça m'est égal. Quoi? S'il était pauvre, je l'aimerais tout autant. Eh ben, il en a de la chance. À ton mariage, j'ai fait broder ton costume avec des fils d'or. Mais ça m'a coûté très cher. Seigneur, je n'ai pas regardé au prix. Merci, tailleur. Tu as ma clientèle. Regardez. Quel beau costume. Super. Magnifique. Et maintenant, allons manger. S'habiller. Bon, je vais y aller. Viens voir. Je reviendrai vous ouvrir cette porte-là. Compris. Place. Alors, place. Place. Je suis l'ancien patron d'Ali Baba. Place. En avant.
Ali Baba, je te salue. Moi aussi, Kassim. L'autre nuit, tu es parti tellement vite que Morgiane a oublié quelque chose. Je ne te croyais pas si délicat, Kassim. Assieds-toi près de moi, veux-tu? Et toi, quitte tes oranges. Emmène-le au point de ta maîtresse. Et toi, tu donneras ce perroquet à ma future femme de la part du seigneur Kassim. Mange. Gloire à toi, seigneur. Encore un ami. Viens, mon cher. Assieds-toi. Pousse-toi. Mais pousse-toi quand je te dis. Tu es seul? Je croyais que tu vas mener 40 mendiants. Je suis le premier. Mais mes amis vont arriver tout à l'heure. Je les recevrai avec plaisir. Tu as l'hospitalité généreuse, Ali Baba. Tu connais mon camarade, le seigneur Kassim. Me semble l'avoir déjà aperçu. De loin. C'est un devin extraordinaire, si j'en juge par moi-même. Il ne dit que des choses agréables et vraies. Oh, dis-lui donc la bonne aventure à lui. Ta main est très intéressante. Et j'y vois des choses très instructives. Les chemins de ta vie sont sombres et tortueux. Tu es cruel, avide, dur avec les petits, servile avec les grands. Il est parti en espèce de reptilien. Dans une vie précédente, il a été serpent. C'est tout, je te dis. Ah là là, Kassim, tu as grand besoin de purifier ton âme. Je sais ce que j'ai à faire. Cette année, je pars pour la Mecque, accomplir mon pèlerinage. Le serpent qui va à la Mecque ne revient pas pèlerin pour ça. Et le serpent, c'est toi. Allez. Ta ligne de vie s'arrête là. Tu vas mourir bientôt. Et là, et là. Pourquoi le plains-tu? Le bonheur se trouve au paradis d'Allah. Justement, j'ai peur, Kassim. Il n'y aille pas au paradis d'Allah. Allez, Baba! Oui? Viens vite, ça c'est toi, le mufti, t'es arrivé. Alors, ne le faisons pas attendre. Maintenant, on va manger pour de bon. Allez, venez, vous autres. Viens aussi, toi. Allez, mufti. Prenez place, je vous en prie. Tu as une figure qui me plaît, toi. Tu dois être un brave homme. Merci, Votre Excellence. Nous venons tout de suite. Hein? Tous les plats, couscous, brochette de cœur d'agneau, confiture de rose, ça peut aller. N'oublie pas de réclamer mon obol avant la cérémonie, parce qu'après, les gens sont moins généreux. Ali Baba, saint homme, je te remercie de t'être dérangé pour célébrer mon mariage. Je connais ton désintéressement. Mais j'insiste pour que tu acceptes un cadeau. Non, non, ne proteste pas, ce ne sera pas grand-chose, mais un geste. J'aime ton visage, Ali Baba. Tu m'as l'air d'un brave homme. Je te fais confiance. Maintenant, mes amis, asseyons-nous. Hein? Et où il est, Kassim? On l'a perdu? Toi, avec tes prédictions, tu lui as fait peur. Allez, va le chercher. Il faut bien qu'il mange, lui aussi. Hein? Non, reste. J'y vais moi-même. On peut manger? Allez, c'est ça, mangeons. Mais où sont mes musiciens privés? Ils sont là, ils attendent. Oui.
sont sympathiques, hein. Non, mais Cassim. Il est de meilleure humeur. Oh, excellent. Cassim, tu vas t'imaginer comme je suis heureux. Cette soirée, je la savoure. Ah, la vie est douce, hein. Qu'est-ce qui a crié? Mais non, personne. Personne n'a crié. Ah non? Non, j'en fais, Ali Baba. Ah, je te voyais. S'amuser, c'est pas tous les jours que tu te maries. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une main. Ah! Les voleurs. Oui, les voleurs. Le chef des voleurs. C'est le chef des voleurs? Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Thank you.
maintenant. Baba avait dit aux pauvres, tout ce que vous pouvez souhaiter, Dieu vous l'accordera par mon intermédiaire. Vous aurez le nécessaire et même le superflu. Un jour, pour tenir sa promesse, il les conduisit tous lui-même à la caverne magique. Thank you.
Sésame, ouvre-toi. Qu'est-ce que c'est?